What actually comes out of my mouth is... I have the shiniest meat bicycle! Eh bien, salut à tous mes amis, c'est Cray. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Mad Max. Et ouais, votre petit épisode du lundi, bien sympa comme il faut. Désolé pour ces deux petites semaines de retard, j'ai eu quelques préparatifs à faire, enfin bref. On s'en passe des détails. Mais en ce qui me concerne, si tu pouvais t'abonner, liker, partager et commenter, ça fait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, c'est parti. Dans l'épisode précédent, ce qu'on avait fait, c'est que on avait été sauvé la petite fille de Hope, si je dis pas de bêtises. On avait gagné le V8, qui ma foi, pas mal. Hein. On va pas se cacher, un bon petit V8 comme ça, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Vous êtes team V8 ou team V6? Moi, perso, je suis team V8. Hein. Voilà. Bon gros V8, sa mère. Where is it? Oh, it can't be gone. Gone. Where is he? Where's the car? Hey! Be still. My fingers ain't dirty, you're working. Where's the hunchback? Where is he? Where is the car? I don't know. I heard he said he was taken to where it was born. He said he cared about it. He raged about that wagon like it was raging about some fine dame. The ship. You let him go. No. You let this happen. It's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Oh, j'aurais pas fait. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you gonna have another chance? Our contract is done. Hey. It's a prison. For you. Together we can build more than a life raft. J'ai l'impression de me voir. Putain. Never should have trusted the hunchback. Too close now. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement là-bas. Ah, je peux même pas faire de déplacement rapide. Ah, c'est parti. Mon V8 quoi, il était parti. Est-ce que j'ai une caméra aussi loin? Waouh, waouh. Oh là là. Mais pourquoi est-ce que... Par contre, elle part droite gauche la voiture.
Ouais, je crois qu'on vient. À peu près, on monte comme ça à cause des Ukrainiens. Hein. Alors, je dis que c'est la faute des Ukrainiens si c'est à. S'il y a tout ce bordel. Poutine n'est pas le seul responsable. Hein. Aussi à cause des Ukrainiens. Il faut les marais, il faut les cow-boys, une fois que ça pète, et ils commencent à chialer. Moi, je dis que c'est la faute aux Ukrainiens si on en rentre comme ça. Lâche-moi. Voilà. Wouh. Mes aïeux. Un monde à Mad Max, ce serait pas mal pour le monde, j'ai envie de te dire. Pas de règles, c'est chacun pour sa gueule. Au moins, ce qui serait certain, on se battra pour quelque chose tous les jours. Et pas pour des pays qui n'en vaut même pas la peine. Désolé, hein, mais l'Europe, ce pote pour l'Europe, ça en vaut pas la peine. Ce pote pour les Ukrainiens, ça vaut pas la peine non plus. Ce bot en fait, pour un pays tout court, donc vaut pas la peine. Hein. Ah, j'emmerde la Belgique, j'emmerde. J'ai une pauvre de bonne pour un pays, ça se fait à quoi? Faire quoi? Me faire pilonner pour. Je dis pas que j'ai peur. Je dis juste que. Voilà, ça sert à rien de se battre pour des grossistes et l'État qui t'encule à fond. Mais bon, après, c'est chaque. Oh, maintenant, apparemment, on va se faire couper l'électricité 2 heures par jour. Une question, ce sera quoi après? On va se faire, je sais pas moi, on va se faire arrêter parce qu'on n'a pas respecté les règles des 2 heures. On va se faire arrêter parce qu'on a ramené le chauffage en 20 degrés. Ou on va se faire arrêter parce qu'en fait on a trop consommé d'essence et du coup les écolos vont commencer à râler. Moi j'ai une chose à dire, les écolos je les emmerde, ils ont qu'à me sucer les couilles, j'en ai rien à foutre. Moi les écolos je les emmerde. Et je rouvrirai toujours avec une voiture à essence. Je vais pas prendre une Tesla ou une voiture électrique. De toute façon, ça servirait à quoi? À rien. Ça servira à que dalle pour ma part. Donc moi, je dis fuck à l'État, fuck aux écolos, fuck au pays, et j'en merde le reste. Abonne-toi si t'es d'accord avec moi. Moi, je suis team moteur thermique, team V8. Moi, je commence pas à acheter une voiture électrique. Pourquoi? Pour attendre un moteur d'aspirateur? Mais bon, j'ai déjà ça tous les jours, alors s'il vous plaît, quoi. Pas me lâcher hein. Shit. Oh la blague. Et zut.
Ah, j'ai pas le choix. Non, reste là, toi. Tu crois quoi, toi? Tu me prends pour suivre? Eh, voilà ce que je fais. Ah, putain, il est trop loin. Je veux dire, voilà ce que je fais aux écolos. Vas-y, rapproche-toi encore un petit peu. Ah là. Non, tout de suite. Je sais, Marc, c'est ce que je me dis tous les jours. Faut jamais faire confiance à qui que ce soit. Alors, si vous regardez les écolos, abonnez-vous. Si vous êtes une V8, abonnez-vous. Si vous dites fuck l'État, abonnez-vous. En voiture. You came for me. I should kill you for this. Hail the champ! The ruination of Stankum, they said. The one who thieved my big block. And my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain bag. As if cutting dead stump. Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to sing. About you. A woman. A child. A whole little family. You must be the dad. Well, now, daddy's gonna die. Oh, bah, viens. I don't touch it. Always daddy by the finest artiste. Oh, and there's a surprise for you. I'll tell you this, my blade peels away the first layer of your skin. What are you talking about? Ah, il m'énerve. À terre. Des droits de le matin, ouais. Vas-y. Vas-y. Viens. Vas-y, viens, espèce de moche, va. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Lord Scrotus
was here! He heard that monkey song and he dug it about a little family! A woman and a child and a dog. Lord Scrotus is gonna hurt you more than you could ever hurt me. He's there right now, killing him slow! In all sorts of tasty ways! I catch the shine! Tellement ça se joue. But I took it upon myself to bring her back to her birthplace. My angel, the magnum of this. You stole it. Righteous, it was not. Attends. Donc, du coup, faut que je retourne. Ah bah. What could this lonely acolyte do? What could I possibly do? You meant to take her from me. You meant to plant your petrol tank back here. Sorry. So, where would Tomaki be? What's my place? It doesn't matter anymore. There's nothing for us here. Please! No. Oh, si. Scrotus was here. You okay, baby? Come here. Come on. Okay. Oh. That's nice. Nobody will remember my name. Yes, they will. Yes, they will. I'll remember. I promise you. I want you to paint my name in their blood across the land. Where is he? Burn through your veins. Where is he? Va avoir d'excellents freins pour ça. He murdered them. Scrotus. I will have his blood. I must find him. And end him. Where is he? Nobody knows where he goes. Earth State. Only his war boys know his path. His exarchs are desperate on holy new mutations. Blood bag upside down in the organic mechanics. He called himself Scam. Was a war boy, he said. Was with Scrotus. He said so. Yeah, he'll know. And he will tell me. Voyage rapide.
Ouais, elle est suffisamment équipée, t'en fais pas. Where's Scrotus? Scrotus? I will tell you where to find him. Your fame walks on its own. And your shadow has grown. And my blood has fueled legend. Scrotus is settled on Roadslide of the Purgatory Flatlands. Too weak, he said. A spent shell. Bring his corpus gratis to the organic mechanic. And let the blood serve! Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! Plus de roues.
commence à m'énerver lui. Merci. Comme ça, toi. La fête, on dirait. Voilà. C'est ça que je veux, moi. Into her lungs too. Yeah. Black fingers will heal her, say. Yeah. Come on! What's your feet? Praise be! Her juices flow! Her valves are a go with the cuttering pistons blow by blow! Yeah. Get off! Just one chance to get her. Yeah. She will die! At all! Never! I would rather breathe my last breath than watch her die! I am her protector, her savior! Quel est ton choix? No! Sage! Sage! Please! Please, prayer! Please, Sage! He must be killed. He must. Oh oh. Ah bah tu me boycottes, tu vas cramer. Attends, c'est ma voiture ça. Set stone! Breakfast ball!
Je me demande comment est-ce que tu peux survivre à des chocs pareils. Ça, c'est ma voiture. Bon bah les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Craig. Merci de m'avoir suivi dans cette longue aventure. Je vous dis à la prochaine. A plus.